Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je voulais vous dire que j'avais créé sur ma chaîne YouTube un onglet discussion. Et dans cet onglet discussion, j'ai mis certains documents que je juge intéressants. Par exemple, pour bien se confesser, parce que ça va devenir nécessaire du fait de l'avertissement. Faudra être le plus pur possible pour se présenter devant notre Seigneur. Ou alors, pour certains, quand ils auront découvert l'étendue de leur péché, ils voudront se confesser. Sachant que le ciel recommande dans ses diverses prophéties, à travers ses différents prophètes, qu'il faut se confesser une fois tous les mois. C'est un bon rythme. Trop souvent, ça engendre du scrupule, et bien évidemment, c'est l'âme, tout comme le corps, a besoin de nourriture spirituelle, l'Eucharistie, la prière, etc., mais aussi de se nettoyer spirituellement, comme le corps a besoin de se nourrir aussi physiquement et on a aussi besoin de nettoyer son corps. Donc, le sacrement de réconciliation permet de laver son âme dans le sang du Christ, de retrouver la grâce baptismale. Aussi, j'ai mis un lien vers un article pour essayer de devenir un chrétien parfait, enfin, en tout cas, le plus parfait possible. C'est un commandement de notre Seigneur. Devenez parfait comme moi, je suis parfait. Ensuite, j'ai mis un article qui présente un peu le nouvel ordre mondial dans toutes ses dimensions. Voilà, j'ai mis mon ouvrage Restaurer la France catholique et royale. Pour une France catholique et royale, c'est un programme politique doctrinal en fait, 100% catholique. Où je démontre aussi que la monarchie est le meilleur régime, en tout cas pour la France. Et voilà, c'est un programme doctrinal, donc j'ai pas voulu rentrer trop dans les détails. Je me suis basé sur la doctrine sociale de l'Église, essentiellement les encycliques, le catéchisme, un peu la Bible et saint Thomas d'Aquin aussi. Ensuite, j'ai mis le lien vers deux articles, Qu'est-ce que l'amour et Qu'est-ce que le bonheur? Et enfin, j'indique un moyen de gagner une indulgence plénière. Enfin, en tout cas, bien évidemment, pour gagner une indulgence plénière, il faut se confesser, enfin, 8 jours avant l'œuvre ou 8 jours après l'œuvre. Communier le jour de l'œuvre et bien évidemment ne pas vouloir faire de péché véniel et de communier enfin de prier enfin de prier aux intentions du Saint-Père. Et donc en fait il s'agit d'une prière qui dure quelques secondes à réciter et qui est l'œuvre en question pour gagner l'indulgence plénière avec toutes les conditions que j'ai énoncées. Alors je vous rappelle aussi que j'ai un onglet playlist sur ma chaîne YouTube. Alors voilà, normalement j'ai recensé toutes mes vidéos dans les différentes playlists, mais j'ai aussi pas mal de vidéos qui ne sont pas de moi et que je référence ici. Et sinon, bah, je vous rappelle que je suis sur Facebook. Donc vous pouvez me demander en ami ou vous abonner à mon compte Facebook. J'y publie quotidiennement. Enfin, la ligne éditoriale, c'est Nouvel Ordre Mondial et la fin des temps, mais il y a bien évidemment pas mal d'autres choses, pas mal d'autres sujets sur lesquels je publie. Donc j'y suis très actif. Donc si vous voulez vraiment suivre mon actualité, c'est ici que ça se passe. Voilà, que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une prochaine vidéo.